Bonjour les enfants, content de vous retrouver aujourd'hui. Nouvelle vidéo, nouvelle paracha, Vaetranan. Nous sommes toujours dans le Sefer Devarim et vous le savez certainement, le Sefer Devarim nous répète tous les événements qui se sont passés dans les Sfarim précédents. Un événement fondamental est bien entendu le don de la Torah et les 10 commandements, les Aseret Hadibérot. Nous les avons enseignés dans la paracha Titro. Nous revoilà avec la parashat Vaetranan. Et vous savez par quel mot commencent les 10 commandements? Bien sûr, le mot Anochi. Et par quelle lettre? Tout à fait, le Aleph, la première lettre de l'alphabet. Vous savez, ce Aleph nous donne un enseignement extrêmement important sur notre croyance en Hachem, sur notre croyance en la Torah. Voyons voir. Comment se forme la lettre Aleph? Vous avez un point en bas à gauche qui peut aussi ressembler à un Yud et qui correspond à nous, le peuple juif. Chacun avec son potentiel, ses capacités, son intelligence. Nous avons un point ou un Yud en haut à droite et ça correspond à Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, le créateur du ciel et de la terre. Un point en bas, un point en haut, et nous avons une barre qui relie le point en bas et le point en haut. Qu'est-ce que cela veut nous apprendre? Nous, le peuple juif, nous devons avoir cette conscience, celle qu'il y a toujours en haut de nous, Hachem. Oui, alors les garçons, c'est facile, nous avons la kippa pour s'en souvenir. Mais les filles sans la kippa s'en souviennent également. Nous avons toujours Hachem au-dessus de nous, quelles que soient les situations, quels que soient les événements. Et cette conscience-là nous rend le plus heureux possible. Vous vous rendez compte, les enfants? Savoir qu'Hachem est toujours avec nous, qu'Hachem nous aime, qu'Hachem nous protège? Mais c'est extraordinaire. Quelle chance nous avons! David Amelech, le roi David, disait « Shiviti Hachem kenegdi tamid »« Je place toujours Hachem en face de moi. » Hachem est avec moi et donc pas de stress. Hachem est avec moi, donc pas de colère. Et oui les enfants, si on a cette conscience qu'Hachem est avec nous constamment, alors tout va bien. J'ai peut-être cassé ma tasse de thé, alors je peux me mettre en colère ou bien me dire « Bon, j'ai été maladroit, ça arrive, je vais ramasser en faisant attention et c'est Hachem qui l'a décidé. » Merci Hachem. Si tu as fait ça Hachem, c'est pour le bien. Je ne comprends peut-être pas, mais je sais que tu es au-dessus de moi et je sais que c'est pour mon bien. Je joue avec ma sœur, avec mon petit frère, il me casse mes jouets, je peux aussi m'énerver, m'emporter ou bien me dire « Mais c'est Hachem qui l'a décidé. » Je vais lui parler, lui dire « C'est pas bien ce que tu as fait, mais c'est tout, je ne vais pas me mettre en colère. » Hachem est avec nous les enfants, constamment, on a ce Yud, on a ce point au-dessus de nous. On peut appeler ça aussi les enfants le lâcher prise. Oui, lâcher prise. Je vis ma vie, je travaille, je mange, je prie, j'étudie, je joue. Je vis, mais après, je laisse Hachem décider pour moi. J'essaye d'avoir des projets, j'ai envie de sortir, et imaginons qu'il pleut maintenant. C'est Hachem qui a décidé, je vais faire autre chose. Nous avons la possibilité, les enfants, d'être heureux, de décider d'être heureux. Ce n'est pas les événements, ce ne sont pas les situations, ce ne sont pas les personnes autour de nous qui nous rendent heureux, mais c'est nous qui décidons d'être heureux. Je décide d'être heureux. C'est une idée fondamentale. Vous pouvez dès à présent décider d'être heureux. S'il pleut, s'il fait froid, si on m'embête, si on se moque de moi, si je me suis sali, c'est pas grave. Vous n'allez pas décider si je suis heureux ou pas. Je resterai heureux et je trouverai des solutions. Parce que vous savez quoi, les enfants?
Il y a toujours une solution à nos problèmes. Toujours. Sachez-le bien, soyez-en convaincus. Et rappelez-vous, Hachem est au-dessus de nous. Hachem nous aide, Hachem nous protège. Alors, c'est sûr qu'il faut choisir d'être heureux. C'est ce qu'on peut appeler le lâcher prise. Et parfois, respirez, détendez-vous. Ce n'est pas grave. Il arrive parfois des choses, des événements que l'on ne souhaite pas. Mais ce n'est pas grave. Hachem, lui, l'a décidé. Et Hachem, lui, sait ce qui est bien pour moi. Alors, je vous laisse méditer là-dessus, les enfants. Je vous souhaite Shabbat Shalom, de belles nouvelles et lâchez prise.